Bon, colonel, bonjour. Bonjour. Et le colonel Assoumane Camara Dibafoué, directeur des interventions de la police nationale. Hein? Si je me trompe, Bien rectifiez-moi. sûr, bien sûr. Voilà, merci bien. Merci de nous recevoir chez vous donc pour cette interview ce Guinée matin. Et hier, dimanche, il y a eu la manifestation de l'opposition, un meeting à Kaloum. Et beaucoup d'observateurs ont salué le fait qu'il n'y ait pas eu justement d'incident majeur et que tout se soit terminé dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui a été réellement entrepris concrètement par vos services pour que ça réussisse? Bien, je vous remercie. Je voudrais d'abord que vous sachiez que le ministère d'État chargé de la sécurité et de la protection civile a été restructuré. Au lieu maintenant que ce soit la direction des unités d'intervention, c'est la direction nationale des compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Et donc, sur ce, pour revenir aux choses sérieuses, la question que vous me posez, je voudrais qu'on situe les choses dans leur contexte. Hier, la manifestation de l'opposition, particulièrement du parti de l'Union des forces républicaines de Guinée, a demandé un meeting à Kaloum, officiellement, dans les délais qu'il faut. Et ça a été accordé par les autorités de la ville de Conakry, qui nous a fait une demande de concours à travers notre autorité d'assurer ce meeting avant, pendant et après, d'éviter que des intrus ne viennent perturber, s'intruire et puis commettre des choses, soit au compte de la mouvance, au compte de l'État, ou même essayer de saboter le meeting. Justement, oui. Donc il va sans dire qu'on a une lettre de mission de l'autorité de la ville de Conakry. Donc on avait le devoir et le droit de défendre et de sécuriser les militants De de FDC, l'opposition, de l'opposition. oui. Donc c'est ce qui lui fait. Et vous avez remarqué, dans ce domaine, il y a eu l'attente entre les militants de l'opposition et nous. Par contre, de l'autre côté, les contre-manifestants étaient allergiques à nous Au parce niveau de que, Tombo, hein? voilà, au niveau de Tombo, et même certains ont quitté vers l'autre côté, vers la mer, qui voulaient venir au lieu de meeting, qui ont été empêchés Au par nos boulevard services. Diallo-Telly. Voilà. Qui ont été empêchés par nos services. Je dis tout ça pourquoi? C'est pour que vous vous situez dans le contexte et que vous compreniez notre position désormais dans n'importe quel moment. Quel que soit le mouvement de l'opposition, que ce soit la marche ou un meeting, si elle est autorisée par l'autorité, quelle que soit la force extérieure, cette force nous trouvera sur leur chemin. Parce que nous ne leur permettrons pas d'empêcher les gens à faire leur marche ou leur meeting autorisé. Mais par contre, si elle est interdite, quelle que soit aussi la mouvance, quelle que soit la force de cette institution, ce soit une ONG, que ce soit un parti politique, que ce soit un groupe de syndicats, c'est que toujours force va rester à la loi. Ils vont nous trouver sur leur chemin pour les empêcher de faire ce que la loi, ou en tout cas l'autorité légitimement rétablie, a interdit. Ce qui veut dire que hier, la marche d'hier s'est très bien passée. Même la dernière marche où il y a eu mort à Bambéto, Oui, le 16, c'était le très 16 très bien août, le passé. 16 août 2016. C'était très très bien passé. Oui, c'est juste Passé vers le la fin. délai, Oui. c'était entre 8h et 15h. L'accident s'est fait à 17h. Effectivement. J'étais très désolé. C'est pour cela qu'on n'a pas cherché à calculer. L'officier qui s'est rendu coupable de port d'armes sur les lieux d'assassinat, que ce soit lui ou pas, automatiquement je l'ai livré. Parce que Donc moi, jusqu'à présent, cet officier, il est entre les mains de la il justice, est hein? entre dans les mains de la justice. Ok, parce qu'il y Les en a qui disaient choses, qu'il s'était échappé et tout non, ça. il est là. Vous savez, il y a trop de rumeurs dans ce pays-là. Oui. Le gars, après transport judiciaire, il s'est retrouvé que ce n'est pas lui. Parce que selon le constat, ce n'est pas lui. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est la justice. Qui a la justice de le libérer ou de ne pas le libérer? Mais Justement, jusqu'à présent, oui. il n'est pas dans nos rangs. Il est à la maison centrale. De Pour toute façon. revenir à la manifestation d'hier, on a compris qu'entre les jeunes militants de l'opposition et les forces de l'ordre, il y a eu cette entente. Habituellement, il y a toujours provocation, il y a réaction de Mais la police. Qu'est-ce qui se passe? Comment on explique ça? justement, c'est ce que vous devez savoir. Oui. C'est comme un bandit et un agent de sécurité et la victime. Vous qui êtes victime d'agression, de vol, vous aimez la police, vous voulez coûte que coûte, vous aimez automatiquement ce que fait la police. Mais le bandit ou le malfaiteur, mais lui, Il voit mal la il police. voit mal la police, il le haït. C'est comme ça. Hier, le vent était de côté.
des jeunes militants de Oui, l'opposition. parce que la marche était Parce que la autorisée. marche était autorisée et on était là pour eux. Mais le jour que le contraire va se produire, ils vont nous traiter de tout, de chiens, de ceci, de mal formés, de ceci, de loubas. C'est normal. C'est ce que je dis souvent, nulle part, que ce soit aux États-Unis, on voit tous les jours, que ce soit la France, on assassine les policiers, la police n'est pas aimée, parce que nous sommes toujours du côté, Du pouvoir, de la force. Du côté faible. Ouais. Du côté faible. Ah oui, d'accord. Quand quelqu'un est faible, tu veux abuser de lui, on le défend, vous nous traitez de tout. Et nous sommes des républicains. Un républicain, on n'est pas pour un parti, on est pour l'autorité légalement élue. Effectivement. Et légalement installée par le peuple de Guinée. Que ce soit le président de la République, que ce soit un maire, que ce soit un chef de quartier, que ce soit même un chef de carré, s'il est élu, s'il est désigné par le peuple, on reçoit les instructions de lui. Nous sommes des subordonnés à l'autorité civile. Qui que tu sois général, colonel, l'autorité civile, quel que soit son rang, même si c'est un chef de carré, tu reçois les instructions de lui. C'est ce que nous exécutons. Voilà. Tant que les choses se passent comme ça, et tant que les choses se comprennent comme ça, le pays là, ça va aller. Nous les gens pas... étaient contents hier. Est-ce que vous promettez que la même dynamique va continuer? Est-ce que c'est la même chose ça qui va continuer? Parce que l'opposition si... promet des meetings prochainement et même une marche le 2 août. Il n'y a pas de problème si la marche du 2 août est autorisée par l'autorité du gouvernorat de Conakry ou par le ministre de l'administration du territoire et qu'on nous instruit d'encadrer. Mais ils peuvent aller même commencer la marche à Kindia. On va marcher avec eux jusqu'à là où ils veulent. Et on empêchera quiconque qui va essayer de s'introduire pour le perturber dans leur marche et dans leur slogan. Mais si elle est interdite, il va s'en dire qu'on va s'interposer parce qu'on est là pour appliquer la loi et l'autorité de la loi. Ça, c'est clair. Donc, avant même la marche du 2, il va y avoir des meetings dans d'autres communes. Oui. Si c'est les mêmes autorités, c'est sûr, si on a autorisé Kaloum, c'est qu'on va autoriser pour Atoma, pour Matam, pour Matoto, peut-être, je ne sais pas. Oui. Si c'est là, c'est le même dispositif. On va toujours les cadrer. On va essayer d'empêcher les autres et les faire comprendre aux autres que si une institution demande une marche ou un meeting et que c'est autorisé, nous, les forces de l'ordre, les forces républicaines, on doit pouvoir défendre ces gens-là, leur protéger, en même temps ne pas empêcher les autres aussi de vaguer à leurs besoins. Donc, c'est ce qui fut fait hier. Vraiment, ça s'était très bien passé. Les jeunes, hier, pour une première fois, d'abord, je voudrais aussi que vous sachiez, mais ça, c'est indépendamment, c'est sûr, des organisateurs de la marche et de meeting d'hier. Le meeting, les gens se transportent sur un lieu bien donné. C'est différent de la marche. La marche, c'est d'un point A à un point B. Oui. Mais hier... Oui, au point 8 novembre, il semble que des motards ont été interceptés, empêchés d'aller à Malgré ça, les gens ont été... Je me demande comment les jeunes se sont regroupés à Kaloum. Oui. Parce que non, moi, je n'ai pas vu de bus qui transportait les militants. Avant, je me souviens, dans l'ancien régime, on faisait des checkpoints. Les bus partaient ramasser les militants pour les déposer à un point B et pour faire le meeting. Quand ça la marche, vous désignez un point de regroupement, vous marchez par exemple de Matoto au stade. Jusqu'à un point de chute. Ouais, jusqu'à un point de chute. Ouais. Et hier, les gens devaient être transportés soit par bus ou par je ne sais quoi pour être au boulevard Diallo-Télé. Ouais. Mais les gens sont venus, on ne sait pas comment, c'est bon, c'était des militants, tout qu'on fait, ils n'ont pas marché pour venir. Mais au retour, ils ont marché. Ouais, ouais. Au retour, n'est-ce pas? Au retour, ils ont marché de boulevard Diallo-Télé jusqu'au logement du leader. Vous les aviez accompagnés aussi. On était obligé. Vous étiez là jusqu'à la fin. On était obligé. C'est pour dire déjà quelque part, il y a la loi. On dit aussi dans l'armée que c'est le terrain qui commande le combattant. Effectivement. À partir du moment déjà que la foule s'est reconstituée, elle est devenue compacte, on les accompagne. Mais les spécialistes doivent noter, après faire un débriefing, pour dire voilà, les clauses qu'on avait dit avant votre demande de meeting. À la fin, vous n'avez pas respecté. Désormais, ne faites plus ça. Effectivement. Pour que désormais, parce qu'ils ont des marché, choses comme ça. Parce que sinon, sinon on disait, c'était un meeting. Après le meeting, le leader doit y partir avec son côté simple. Les militants doivent se disperser. C'est sûr qu'hier, il allait y avoir des mouvements. Donc, on était obligé. Vous vous êtes adapté. On s'est adapté. Ouais. C'est le mot même. Ouais. On s'est adapté à eux. Ouais. On les a accompagnés dans l'espoir qu'ils comprendront que le meeting est différent d'une marche. Une marche, oui. C'est deux demandes différentes.